longtemps, depuis le bled, je suis arrivée ici. Donc, je pense que si ça ne va pas ça avec lui, je vais finir. Oui. Ok. Donc, ma chérie, il faut le quitter alors. Parce que ça ne se lève pas. Ça ne se lève pas. Oui. Oui. Et tu as quel âge, ma chérie? 30 ans? Oui, j'ai 30 ans. Ah, tu as 30 ans. Ça veut dire qu'il faut que tu aies au moins ton premier enfant. Quelqu'un même, ça ne se lève pas. Ce n'est pas enfant, il va te faire. Et puis, sa fracture là même, c'est quel genre de fracture même? Il est une société immobilière. Il est une société immobilière, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que il te donne quel genre de somme comme ça? Sa plus grosse somme, c'est quoi? La plus grosse somme, il m'a donné 5 000 euros. La plus grande somme. 5 000 euros. Et puis après, il te donne combien comme ça? Par mois, il peut envoyer 1 000 euros à ma famille au bled, 1 500 euros. Attention, hein. Financièrement, je ne peux pas mentir. Ouais, il n'est pas mal. Bon, écoute, le Malien qui te drague depuis là, lui, il fait quoi dans la vie? Lui, c'est un débrouillard, c'est ça qui me cale un peu. Ouais, c'est un débrouillard, bon, il est débrouillard, il est fécond, mais bon, le fait même d'être débrouillard et plus fécond là, c'est comme si même il était stérile. Attends, l'autre là, ça se lève pas, mais quelqu'un même, toutes les fins du mois, il envoie 1500 euros à tes parents? Toi-même, il te donne l'argent? C'est pas... Oui, ça, oui, il me donne, ouais. Bon, ma chérie, c'est pas grave, vous allez faire la FIV, hein? Vous allez faire la FIV, tu as compris? On en a parlé de ça même hier, on a parlé de ça hier en plus. Faut faire la FIV vers lui, hein? Fais la FIV vers lui, c'est pas grave. Fais la FIV vers lui, et puis, pour son, ça se lève pas là, tu vas essayer de voir les traitements traditionnels là, tu vas essayer de voir si tu peux soulever ça un peu de mais temps en temps. Tu veux essayer les traitements traditionnels, mais c'est lui qui... Il ne veut pas prendre. J'en ai essayé des écoles, il ne veut pas prendre. Mais tu vois, c'est bizarre pour sa santé et tout, nanani. Bon, écoute, ma chérie, ce que tu vas faire, tu vas te donner un délai. Hein. Donne-toi un délai un peu, là. Donne-toi un délai de non, toi. Je me suis donné un délai pour cette année. Je me suis donné fin de cette année, ça ne va pas, je m'en vais. Voilà, donne-toi un délai et puis, durant ce délai-là, tu sais ce que tu vas faire. Tu comprends? Okay. Voilà, tu essaies de vraiment économiser. Et puis, si tu vois qu'il n'a pas envie de faire des efforts pour que ça s'élève un peu, tu vas gagner un temps. Mais pour le moment, le Malien qui te court après là, lui, tu le mets sur le côté parce qu'il n'a rien. Il est viril, mais il n'a rien. D'accord. Donc, tu ne vas pas te fatiguer pour rien. Tu as compris, ma chérie? Il n'y a pas de problème. Merci, ma coach. Au revoir, ma chérie. Oui. Vous voyez les choses comme ça, ce qui se passe. Depuis le direct a commencé là, on est arrêté. Vous avez vu la caviar, garde-corps qui est là. Et le monsieur garde-corps qui est là. La caviar même, ça fait plus d'une heure, on est connecté là. Elle ne s'est même pas déplacée pour boire l'eau. Lui, il s'est déplacé deux fois pour aller boire de l'eau. Et puis, il allait aux toilettes. Vous voyez les choses comme ça? Pourquoi tu fais ça, Edmond? Normalement, tu ne dois pas aller boire l'eau. Tu ne dois pas aller aux toilettes. Elle a arrêté depuis là. Elle ne boit pas l'eau. Elle ne va pas aux toilettes. Bon, elle-même qui est femme là-même, là, elle tient plus que toi. Et puis tu vas boire l'eau, faut te cacher, tu vas boire l'eau, je vais pas voir. Il prend l'eau là, et puis il vient dans mes narines, et puis il boit comme ça. Il dépose, et puis il vient se mettre derrière. Vous voyez le monsieur là, vous l'avez réclamé là, vous voyez le comportement. Rocambolesque qu'il a.